nous faire déplacement encore aujourd'hui. Même penser que nous avons plus de déplacement pour faire dans le dossier ça. C'est très bien. Parce qu'un dossier qui gagne plus que 13 milliards de dollars américains pays à Chicago, comme frère nous actuellement, et maman nous, papa nous, qui a bataillé dans le pays, dans le blanc, dans l'immigration, vagabond à vagabond ici, et manger lui. Mal, à côté de mal, et vous pensez au café, je cherche, je pense au café. Premièrement, ça va dire dans la conférence de presse, toute déclaration que moi j'ai fait, moi maintenant, tout net, sans retirer une petite grâce. Déclaration qui dit que Jean-Ola Joseph, Deus de Honnête, et dit Jacques-Ton Alexis, et tout l'autre monde, c'est corrompu, c'est vagabond, c'est volé. Maintenant, tout. Dans toute sa forme et teneur. A vous dire, en ce qui a trait à mon cap, dit on va voler, moi-même, moi, dit, je n'ai pas compris, moi-même, maître Caleb Jean-Baptiste, en tant que coordonnateur national de Kaluka, nous dit que nous maintenons tout ça, nous te dit préalablement contre tout le monde. Et nous allons maintenant, nous avons gardé avec moi, que plainte nous déjà déposé dans le cabinet d'instruction. Pour mon cap, dit que le dossier a, est-ce que par la justice? Oui. Mes dossiers et la justice, côté que juge d'instruction déjà saisi des dossiers. Et nous déposons plainte de 10 pages pour nous expliquer pour qui ça nous fait plainte et dénonciation ça contre ensemble volé ça yo. Qui en pile, nous passons la petite tout à l'heure, nous allons nous non, en pile compagnie, en pile monde qui volé la gamine. Ça c'est inventaire que ensemble des dossiers que nous déposons devant le cabinet d'instruction. Nous déposons original plainte qui c'est ça. Nous déposons également une copie, une partie journal de banque qui est 131 pages à dedans. Bon, c'est tout le monde qui l'a gondé une consacre journal de banque. C'est toute transaction qui passait pour année fiscale. Nous déposons 131 pages. Donc on pense ça veut dire nous déposer toute magouille volée que t'as fait pour l'année 2022-2023. Nous déposer également 60 pages journal de banque pour l'année 2021-2022. Ça veut dire deux années fiscales, nous déposer journal de banque pour nous qui totalisait presque 200 pages. Mais yo, nous est accusé de réception dans le cabinet d'instruction. Parce que pendant la bouche, nous avons des preuves et nous avons des preuves à la justice. Et nous déposons également copie journal banque résumé, ok, pour un seul deux mois qui est côté négo rentré, côté dépenser des milliards pendant deux mois. Nous déposons également copie rentrée de fonds FNE côté que négo rentré plusieurs milliards de gouttes pendant deux mois. Et nous déposer une liste. Côté que M. Damio, nous déposons pile quoi sous structure ça qui c'est Pronec, Pronec, Pogap, Sigo, etc. Et professeur Dio pas touché. Et nous déposons des milliards sous, presque sur tout le département. Yo. Et nous avons des professeurs qui ont dit des années ou pas touché. Directeur dit que des années on va toucher. Nous avons même connu qui ne peut pas toucher. Parce que nous avons des milliards de bloqués et nous avons bien compris ça tout à l'heure. Et pour avancer, je dis, je me dis, messieurs, dames, ça ne va pas pour parler en pile. Parce que vous avez dit que nous n'avons pas de dossier. Tout le monde est en pile. L'autre jour, je me suis dit que nous avons un raqueteur qui crase l'argent, qui est Jean-Ola Joseph. Il dit, son fuite informatique. Et bien voilà, il confirme que nous avons des choses dans nous. Et bien, je dis à Joseph, l'on volé pour la nature, toujours un bon samaritain, nous secouer le peuple. Mais c'est bon Dieu qui t'a voulu nous ça avant nous. Pour nous joindre ça, nous gagner, pour nous retirer Haïti dans la place là. Et nous gagnons également une liste de projets que nous prenons énumérer pour nous. Et pour finir net, nous avons gagné pour annoncer une action, ensemble action légale que nous allons faire contre notre CPE. Mais ces deux bagages, nous allons faire. Parce que la personne, bon petit temps là,
un, parce que l'issue en pile, moi montre nous, n'est-ce pas pour parler encore, c'est pour y aller devant le juge d'instruction, pour y aller parler en pile. Bien que nous avons dit que nous avons gagné en moyenne 20 millions de dollars américains qui disposent pour corrompre tout le monde qui est sur le tour, etc. Mais nous connaissons le dossier ça, M. Calvin Baptiste, tout le temps vivant. Et même si nous sommes vivants, le dossier ça l'a fait chemin. Pour les gens qui ont demandé, pour qu'on parle de la radio, on a toujours parlé. D'ailleurs, c'est nous qui avons fait un travail technique là dans le dossier. De temps en temps, on a bien pour nous soumettre des documents avec juge d'instruction qui a traité le dossier. Nous déposons plainte, mais j'aime dire non, ça nous connaît que un juge d'instruction qui saisit dans un dossier, ou pas j'aime cabal tout non, parce que pas j'aime cabal tout non, parce que en pile, c'est des milliers de monde qui mettent ensemble pour voler l'argent. Son spaghetti dossier ça. Quand on mange, on joue une production. Quand on mange, on joue une. Nous pas la penser là-dedans. Ça veut dire, m'a dit non clair, et m'a pas j'aime cabal tout non. Mais m'a pas nous quête non quand même, en pile non, m'a pas nous dès 2022. Qui te fait vol, qui te fait construction. M'a dit nous, réalité construction lui-même qui décaissait 6 fois pour 2021-2022, 6 des constructions 3 fois, nous gagnons Jaguar, Reteka, nous gagnons Baco, nous gagnons en pile. Ouais, ça lui-même, ça c'est, si nous voulons que nous savons, c'est 2021-2022. Ça c'est construction. Il y a un film qui décaissait la vie. Nous avons quelques projets pour 2021-2022 qui devraient réaliser, qui ne pas réaliser. Ok? Nous avons quelques projets et qui film qui devraient faire. Ça, on pense que c'est important. Nous avons Ecosi qui devraient réhabiliter l'école de CEMAC Guayavie. Ok? Parce que là, nous ne pouvons pas jouer avec. Nous pensons que nous jouer. À ces films, à ces projets qui devraient faire, qui ne pas faire. Et yo décaisser l'argent. Et pile là yo prend 100 millions. Yo dé yo font un projet qui vaut 500 000. Et puis reste pas là-dedans. Vous comprenez? Ça veut dire yo ça va passer nous là. Nous gagne Ecosi. Qui t'a gagné pour réhabiliter l'école de CEMAC Guayavie à Thibonite. Qui t'a gagné pour réhabiliter lycée communal Mafouan, Grand Danse. L'idée pour réhabiliter l'école nationale complète Mangra Port-Margo. L'idée pour réhabiliter l'école nationale du Massé estimé Cap-Haïtien. L'idée pour réhabiliter l'école nationale l'avenir de Macari, Bénin Sud-Est. L'idée pour réhabiliter des écoles nationales Dauphin et Saint-Tab. Pour Sali Sud. L'idée pour te réhabiliter l'école nationale 7 Philomène Cap-Haïtien. L'idée pour réhabiliter des bâtiments pour Marico Nord, c'est PGHB. Okay? L'idée pour réhabiliter l'école nationale La Fleur Wanamet Nord-Ouest. L'idée pour réhabiliter l'école nationale Goldman Duplat Quartier Morin Nord. Ça c'est Ecosi qui te pour faire ça pour l'année 2022-2023. Est-ce que nous comprenons ça? Pourquoi en 2023-2024, ça a été pour réhabiliter au babaye, non? Ça veut dire ma parole de 2021-2022. Nous gagnons SHD Construction, qui te doit réhabiliter l'école, qui réhabiliter le lycée Thomas Madjou, Mall Saint-Nicolas. SHD Construction, te doit réhabiliter le lycée Thomas Madjou, Mall Saint-Nicolas, Nord-Ouest. Nous gagnons l'idée de réhabiliter l'école nationale de Corail. Casseles, quoi des bouquets en 2021-2022 parce qu'il fait plusieurs questions. L'idée de réhabiliter l'école nationale Semi-Cheval, Forêt des Paix. L'idée de réhabiliter lycée Henri-Christophe, Marigo Sud, Sud-Est, disons mieux Sud-Est. L'idée de réhabiliter lycée de Dumac de la vallée de Jacmel. L'idée de réhabiliter l'école nationale de Solon, Mon-Désir. De Mapou, Belance, ça c'est SDH Construction que nous faisons pour l'année 2021-2022. Est-ce que nous comprenons? Nous sommes en 2022-2023, nous sommes en 2022-2023. Nous avons Inosia, ça c'est pour l'ingénieur Lembob, film ça y est.
nèg Delma 40B a nous ka fait ti mesdames yo courrier dans la rue. C'est sous comme nèg ti mesdames yo de pas l'école, de votre comme éducation pour faire courrier dans la rue. Génial aime bon pas faire tout. Grâce éducation avec vous. Nous gagnons, porter plein contre monsieur tout cabinet de section. Alex aussi vous gagnez pour parler devant Jean Paris pour parler. Monsieur pas papier bon pas reconnaître nous. Pas parler même, pas connaître nous et voler nous. Alors la juge de section. Génial aime bon. Innocent est pour réhabiliter École nationale de terrier rouge. Préparation de l'École nationale d'Ossine Pilate. Préparation de l'École nationale d'Ossine Pilate. Préparation de l'École nationale Jolie Pilate. Toujours. Réhabilitation de l'École nationale du Perrier Pestel. Réhabilitation de l'École nationale de Jean-Berlune Pestel. Réhabilitation de l'École nationale de la sucrerie Henry, celui du Sud. Ça, c'est Innocia qui est le fait pour l'année 2021-2022. Ça veut dire, ouais, ça veut dire pays à terre rebelle. L'école est de tous côtés. On a compris. Nous avons SIM, ok? Nous avons MVS Construction, qui a gagné Rénovation Institution Mix Alpha. Je ne vais pas me mettre qui côté. Ok, MVN Construction de faire rénovation institution Mix Alpha. Quoi Alpha, je ne sais pas si je vais dire. Je vais dire Alpha parce qu'on va mettre lui-même. Nous gagnons CJMCO Construction. Nous gagnons l'âge construction qui est de réhabiliter l'école nationale de Rivière-la-Porte, Pilate Nord. Nous gagnons l'idée de réhabiliter également l'école nationale de Rivière-Blanche, réhabiliter l'école nationale de Lakil-Gaumont. L'âge, ça c'est l'âge construction qui est de faire. Pour 2021-2022. Mais équipe construction, vous avez un petit contrat là, vous avez 4 bagages pour faire en 2022-2023, vous avez 20 bagages pour faire avec son association. Nous avons MVR Construction qui est de réhabiliter le lycée de Calix Numa, Raphaël Bellos Sud-Est. Qui est de réhabiliter le lycée d'Orsina, d'Orsinville, de Maj Rouge. Marouge, est-ce que vous mettez? Marouge, nord-ouest. Nord-ouest, Marouge, bord de paix, ok? Nous avons de réhabiliter l'école nationale de Dame Marie, Molse Nicolas, nord-ouest. Ça, qui est-ce qui est de faire ça? C'était MVL Construction. Bon, il y a un pile. Je pense que je vais avoir tout le temps avec nous. Mais dans la musique, là, et après plusieurs conférences de presse, dans la musique, nous avons besoin de et mandé avec artiste yo, tout artiste engagé yo qui t'a aimé participer sur musique ça yo, rentrez en contact avec nous dans 38 13 44 76. Tout artiste engagé qui contre corruption nationale internationale qui t'a voulu participer dans musique yo, rentrez en contact avec nous dans 38 13 44 76. Et pour m'annoncer nous tout sur le plan international une équipe nèg qui pas capable agir. Il y a cette chose qu'on a. Pour les corruptions, il est, nous saisissons les instances internationales, nous saisissons l'ONU, nous pensons au 4e, c'est bien côté mal calculé. Monsieur, je ne suis pas imbécile, je suis avocat. Les m'a attaqué nous, nous comptons comment vous attaquez nous, et la vie m'a mais nous. L'ONU connaît la vie m'a mais. Qui dit que c'est milliards, et des projets que nous avons travaillé actuellement sur nous, en pile, qu'on a pris. Ok. Nous gagnons pour l'année 2022-2023. Ça veut dire année ça qui. Ce passé là, année en quoi nous travaillons sur l'étude. Nous gagnons peuple haïtien, peuple haïtien, peuple haïtien. Nous allons citer nos films ça. Nos films, nous allons citer à destin nous dans main nous. Nous allons faire violence. Nous allons pour nous faire rien. Mais nous connaissons que nous allons faire un problème nous dans main nous. Pour nous connaître, est-ce que le projet bien fait ou il pas bien fait? Et à l'heure, ma banoua, ensemble des projets qui est quitté de fait. Parce que la travail d'arrache pour l'équipe à travailler pour nous identifier tout projet, pour nous identifier tout film. Nous pas même bagaille encore, ça nous a dit blabla, nous avons fait l'autre bagaille. Nous gagnons Ecosi, qui sont films, pour l'année 2022-2023, qui décaisse 17 fois l'argent. Et bon, seule fois, nous, il fait 17 décaissements. Ok? Ecosi fait 17 décaissements. Ma banoua, nous tout à l'heure. Nous gagnons SHD Construction qui fait 17 décaissements.
Nous avons Innocia qui fait 15 décaissements. Nous avons Sim Construction qui fait 23 décaissements pour l'année 2022-2023. 23 décaissements pour dire faire construction l'école, réaménager l'école, faire réhabilitation l'école. Nous gagnons MVF Construction, la petite année, nous disons parce qu'il faut mieux en pile, il faut payer à Bonneo. Nous gagnons MVS Construction qui décaissé 6 fois. Nous gagnons CJMO Construction qui décaissé 10 fois pour l'année 2022-2023. Nous gagnons MVL Construction qui décaissé 9 fois. Nous gagnons PBL Construction qui décaissé 6 fois. Nous gagnons le Chekoden Film de Construction qui décaissé 8 fois. Nous gagnons Réalité Film Construction qui décaissé 19 fois. Réalité Film Construction décaissé 19 fois. Nous gagnons PA et LF Construction qui décaissé 14 fois pour l'année 2022-2023. Ça veut dire l'année qui se passe là. Nous gagnons Dosaï Construction qui décaissé 11 fois. Nous gagnons SCAF Ingénierie qui décaissé 6 fois. L'argent, il a tout décaissé. Il a décaissé 1 million. Chaque décaissement, c'est des multimillions de coûts de décaissé. Il n'y a pas décaissé, ça n'a pas gagné un rapport, mais toutes ces millions. Ok, millions, ça veut dire une idée. Toutes ces millions. Ça, seulement décaissement, il y a plus que 3 milliards là-dedans. Ok, là, il y a une idée, c'est la compte aussi. Nous gagnons PC Faux Construction qui décaissé 12 fois. Nous gagnons aider entreprise ingénieur et d'architecture qui décaissé 5 fois pour l'année 2022-2023. Nous gagnons au plaisir des saveurs qui décaissé 6 fois. Ça son bagage qui va manger lui. Mon cher, ma demande est-ce que tout manger qui est dans le pays, est-ce que c'est les effets de manger pour l'argent de vous savez que c'est. Il va essayer de son. Il faut regarder maintenant. Nous gagnons les Chicos à Film Construction qui décaissé 10 fois. Nous gagnons VBV Construction qui décaissé 8 fois. Nous gagnons Haïti Transport et Nettoyage qui décaissé 12 fois. Nous gagnons Lorient Entreprise qui décaissé 7 fois. Nous gagnons Benzano Construction qui décaissé 6 fois. Nous gagnons JA Construction qui décaissé 1 fois. Nous gagnons EJM Construction qui décaissé 4 fois. Nous gagnons Bézage Construction qui décaissé 4 fois. Nous gagnons UJAS Construction qui décaissé 6 fois. Nous gagnons DJ 1, 2, 3 Construction qui décaissé 2 fois. Nous gagnons AFP Construction qui décaissé 9 fois. Nous gagnons FICO Construction qui décaissé 3 fois pour l'année 2022-2023. Nous gagnons Istea qui décaissé 2 fois. Nous gagnons H, Shell Service Traiteur qui décaissé 1 fois. Nous gagnons Instrap Ingénierie qui décaissé 7 fois. Nous gagnons Kotasa Construction qui décaissé 2 fois. Nous gagnons Bako Construction sont gros aux hommes. Nous sommes dépensés en 1000 millions. Et qu'on s'accorde dans le dossier ça. Et il voulait être plein de tout pour passation illégale de marché. Il est caissé 6 fois. Bako est caissé non seulement presque 300, presque 307 millions. Ma banote à l'échiffre. Nous gagnons Aglomex Construction qui est caissé 4 fois. Nous gagnons Eker Ingénierie qui décaissé 2 fois. Nous gagnons GAD Construction qui décaissé 2 fois. Nous gagnons CK Construction qui décaissé 2 fois. Nous gagnons Kobasa qui décaissé 4 fois. Nous gagnons Kosa Construction, Choka Construction qui décaissé 2 fois. Par contre, c'est la piéton, mais au pile. Nous gagnons en premier fond by peuple là, non, fond by peuple là. Oui. Parce que nous comprenons, mais monsieur, nous gagnons. Nous avons regardé ça, seulement des questions, ça, monsieur.
Je vais de temps en temps dans plusieurs conférences de presse. Ça a décaissé plus de 3 milliards. Pas 4 milliards. Je dis que c'est pour faire réhabilitation de l'école. Là, nous regardons, il y a environ 500 professeurs directeurs d'école qui nous disent que nous avons fait. Ok, avant de dire que nous avons fait un salaire, nous avons fait. Et pour mettre le peuple là, je vais non chaque mètre fume ça. Parce qu'actuellement, on a travaillé des concerts avec l'autre monde. Nous connaissons le GGI, l'autre bagaille. Pour nous joindre, non, toutes les choses qui nous ont suivi la voie publique. Et pour nous dire, peuple à tout, nous gagnons plusieurs artistes engagés qui déjà, en vous parlant avec nous, qui ont fait des musiques sous ça. Tout bagaille, parce que moi qui dois aller, mes musiques à prêter éternel. C'est pour ça, et musique a prêté ça, qui est passé dans le Petro Caribéa, il n'est pas passé dans le FNU. Et pour ça, la taille, nous venons et puis nous avons fait nos et puis musique a sorti très bientôt. Il y a 3 musiques, il y a 4 musiques, mais la concerné FNE, la concerné tout le film qui volait l'argent, avait dit pour petit, il y a des générations, la génération qu'on est au niveau. Dans l'avancé, ça c'est même film encore pour l'année 2020. Très bien. Permettez-moi de saluer les téléspectateurs, les internautes, tout le monde qui a regardé le Capitaine Dimla, non pas si Ernel Rémy, moi c'est avocat dans le Port-au-Prince, moi c'est ingénieur civil, moi c'est coordonnateur général CADO, moi c'est PDG, je suis cabinet d'avocat, avocat, tout ce qu'on fait. Alors, position pas claire sur la situation qui a passé là et par rapport à la question politique. Depuis longtemps, dans toute intervention qu'on a fait, et dans tout discours que nous prenons, c'est l'état de droit. Nous sommes toujours fanatiques de l'état de droit, nous toujours restés accrochés à ce que dit la loi. D'ailleurs, l'avocat est le défenseur de l'application de la loi, c'est très important. C'est-à-dire tout discours que porté, tout ça m'a dit, tout ça m'a supposé faire, c'est des actes qui supposent rester en bas de la loi ou bien plus proche de la loi. Dans qui ça se dit ça? Et c'est ça qui parle étonné tout parce que l'instabilité de fait ça, il résulte d'un consensus politique qui est mené par plusieurs grands partis, des partis politiques qui sont plus ou moins représentatifs. Maintenant, je suis ensemble après que Ariel finit par quarantaine dans le pays. Donc, CARICOM qui vient jouer le rôle de facilitateur, mandé leader pour proposer une solution. Et dans la réunion, en pile parti politique, mettez tête ensemble. Maintenant, pour venir avec une structure inconstitutionnelle qui se conseille présidentiel là. Et nous-mêmes, dans le niveau cabinet, nous comme avocat, nous disons écoutez, par rapport avec conflit, par rapport avec bataille, confusion, Cabrini en mettre sous question. Instabilité, inconstitutionnalité, ça, nous dit écoutez, pourquoi ne pas rester beaucoup plus proche de la Constitution? Et pas oublier que, dans la démocratie, le pouvoir judiciaire, c'est co-dépositaire de la souveraineté de l'État. Maintenant, pourquoi, dans toute proposition, ça, yo, directeur ou bien leader politique, yo, pas aller vers la Cour de cassation? Pour qui ça? Parce que, ouais, son ensemble de monde, avec une velléité manifeste pour accès de pouvoir, nous dit, au diable la solution constitutionnelle, au diable la solution juridique, en aller dans ce qui est en rapport avec ça qui est en rapport avec CPL, qui sont des démarches inconstitutionnelles. Non, plus le monde qui a dit non, pas d'inconstitutionnalité, c'est vrai, mais écoutez, comme co-dépositaire de la souveraineté de l'État, comme seul pouvoir qui législatif qui est constitutionnel, maintenant, on ne peut pas sortir de l'inconstitutionnalité pour arriver à la constitutionnalité. Mais c'est dans ce sens que l'avocat nous dit, ah, mon cher, nous proposons voie cassation. Hein? Voie cassation, c'est voie qui est constitutionnelle là. C'est voie qui bat nos légitimités constitutionnelles. C'est l'immunal des. Parce que le CP n'a aucun caractère constitutionnel. Le CP n'est pas prévu par la Constitution. Le CP, son structure qui n'existe nulle part dans les articles de la Constitution de 1987. Pourquoi 1987? Parce que nous n'avons pas de cour constitutionnel qui était chita, qui était rendu arrêt, qui était mis fin à la confusion, qui était mis fin à débat. Donc, par rapport à toute
problème qui a posé, on ne peut puiser, on ne peut se diriger, on ne peut s'orienter vers la constitution de 47 amendée. Maintenant, nous qu'à comprendre que malgré proposition, malgré intervention, malgré discours qu'on peut poser qui a dans cette cassation, donc où monsieur s'est piqué devant, donc il dit tête au diable la cassation en aller vers le CP. Maintenant, faut nous comprendre bien que le peuple haïtien a souffert. Faut nous comprendre bien que gang dans le pays a. Faut nous comprendre bien que l'hôpital a boulé, l'hôpital a cassé, la pharmacie a cassé, l'école a boulé, la banque a boulé. Et le pays a fini de pas fini. Reconstruire le pays là, ça va prendre du temps. Pardon. Ça va prendre du temps. Maintenant, pourquoi ne pas aller vers la solution la plus courte, la solution la plus économique, la solution et qui est plus rationnelle, qui c'est la cassation. Parce que en pile mon a dit oui on allait vers le CP, on va les policiers etc. Mais si on allait vers la cassation c'est la légitimité constitutionnelle. Mais par contre dans le CPA son démarche inconstitutionnelle qui va entrer dans une crise totale capitale avec un ensemble de structures qui va même prévoir par la constitution. Donc je dis là nous même nous estimons que oui, c'est bien installé, c'est la volonté de certains leaders politiques qui disent que il est clair que le compte doit que le compte sac la loi, mais malheureusement, il y a pas tant ça, pas ouais, ça capte depuis devant. Ça capte depuis devant, c'est le désordre, c'est l'imbroglio, c'est les crises, c'est la confusion, c'est un labyrinthe. Capte mon CPSAO. Bon, blanc, ouais, pour que blanc lui-même, il pas besoin de sacrer les cassations. Hein. Blanc pas besoin de sacrer les légitimités. Hein. Blanc lui-même c'est appuyer solution. CPA. Donc CPA va installer. Est-ce que CPA a porté solution à ce qui a passé là? Est-ce que CPA a permis que le vol reprenne? Est-ce que CPA a permis que vous construisez en bas la vie qui crase net? Est-ce que CPA a en mesure pour le respecter et faire de route que vous avez pendant 2 ans? Ça? Donc nous pensons que l'important pour que monsieur réfléchisse, pour dire que son solution qui pipe la loi pour prendre, son solution constitutionnelle, et son solution qui supposait faciliter un retour à l'ordre constitutionnel. Donc c'est bien lui-même en soi l'inconstitutionnel. On ne peut imaginer le CP nous mettre sur la route de l'ordre constitutionnel. Donc pas bien dire ça accord. Un accord n'est pas un consensus n'est pas une légitimité. Consensus parle de légitimité. Légitimité c'est droit qui baille. C'est la justice qui baille. C'est la loi qui baille. Donc c'est dans ce sens nous-mêmes, comme avocat nous prenons voie cassation. Hein? Avec voie cassation, nous devons dire peut-être nous aller vers la légitimité et la légitimité constitutionnelle. Voilà. Est-ce qu'on pense que par rapport avec les examens qui ont déjà lancé une bataille, et personne ne connaît ni pied bataille ni tête bataille, est-ce qu'on pense que après l'installation de 7 membres, et bataille ça pas pour le bail avec les examens, ça qui eux-mêmes mérité? Bon, normalement, blanc lui-même zou communauté internationale a pas même temps et décret appelé communauté internationale qui t'a voué félicitations par CP. Comme bon mission de médecin international qui va venir, nous voulons voir ce que la mission va apporter. Et par contre, c'est CP qui va connaître qui on va traiter dans l'examen. C'est CP qui va connaître qui ça va faire dans l'examen. Mais nous-mêmes comme avocat, nous nous battons pour l'intérêt du peuple. Nous nous battons pour l'intérêt de la population, de la nation haïtienne. Donc, même penser que il est le temps pour la paix, pour la tranquillité, pour la stabilité, parce que le peuple a besoin de bonne activité. Grand pile, nous n'avons pas circulé. Grand pile, nous n'avons pas de grand goût. Grand pile, nous n'avons pas de misère. Grand pile, nous n'avons pas de crise. Donc, je dis là, il est important pour que le pays reprenne l'activité. Il est important pour que le pays fonctionne. Parce que si le pays va fonctionner, la crise va venir pire, nous n'avons pas mouru. Donc, vous comprenez que. Il y a des gens qui vont à l'école, plus de 500 000 personnes qui vont à l'école dans l'Ouest. Donc, le business fermé, on a parti, vol, pas de vol, et mon lieu pas accessible, ou route nationale pas accessible. Donc, il revient au CP de déterminer ce qu'il va faire avec ces gangs, avec ces bandes armées qui terrorisent la population. Donc, même pense que, même si peut-être lancé un appel à M. Améo, pour dire, monsieur, pas d'intérêt pour faire la population souffrir parce que c'est le même côté ça avec nous. Pas d'intérêt pour nous terroriser, pour nous sacrifier, pour nous kidnapper, pour nous faire relation mal. Donc, nous devons comprendre que le pays c'est pour nous lier par un pays, par un autre pays, par un pays qui a une deuxième nationalité. Mais en fonction, pour nous permettre que nous mettions fin à cette fausse population.
nous besoin stabilité, tout le monde vient vivre, tout le monde besoin circuler, tout le monde besoin la paix, tout le monde besoin travail. Donc dans ce ça, moi dis monsieur, ni important pour nous tendre la voix de la raison, la voix de la sagesse. Oui, nous avons frustration, oui, nous avons besoin, c'est vrai, mais finir avec ou bien faire on l'autre monde mal, c'est pas ça qui a bonne raison, bon temps. Donc mettons-nous ensemble pour comment nous cacher pays ça, parce que Dominique est prêt à aller. Dominique c'est droit devant nous même dans bac camette là et nous pourquoi sortir dans sa mère. L'île le temps pour nous battre ensemble comme petit peuple là pour de stabilité tranquillité dans notre peuple ici. En tant que la loi et en tant que c'est un avocat, on fait partie de la loi et nous constater la police dans dernier temps ça par rapport avec prison et qui écrasé. La police fait arrestation kounya et pas de question prison pour personne moun, quel que soit moun ya qui était un bandit qui n'est pas de bandit. Depuis la police arrêté un moun, c'est exécuté ou exécuté. Comment vous comprenez ça? Qui ça la loi dit des situations ça? Bon, nous avons l'information que nous avons niveau cadeau collectif des avocats pour la défense de l'homme. Nous avons pile prisonnier par même qui même, c'est tiré. Nous avons les valets de prison, oui, moun ça. Mais malheureusement, vous comprenez son faiblesse totale. Parce que m'a regardé commissaire gouvernement Port-au-Prince là, il réagit 2 mois après ou bien 1 mois après évasion massive qui fait dans prison, 1 mois après. Évasion en fait 2 mars, il réagit 1 mois après, soit 2 avril avant elle là, quelques 1 mois et quelques jours après. Ça veut dire au niveau de justice, au niveau de pays, c'est pas gagné ce que tu as fait vrai. Moi je comprends non. C'est-à-dire, vous comprenez, un mois après, aucun avis de recherche. Jusqu'à présent, le parquet n'est pas en mesure de nous fournir le nombre de prisonniers évadés. Vous entendez comment non? Et vous ne travaillez pas avec des organisations pour dire, écoutez, mais, comment faire qu'il y ait information de gagner. C'est-à-dire, pas un rapport vraiment. Qui, bah, jusqu'à présent, par la voie, par contre, notre officiel du gouvernement qui dit, qui déploie ça qui passe et qui dit, mais pas besoin de clarifier. Vous entendez là? Donc, ça vient de mettre que, un prisonnier qui est là, sans identité. Depuis que je ne pas connu, je exécute. Et nous dénoncer, nous déplorer ça. Et puis, nous profiter de micro pour nous dénoncer l'arrestation de Vladimir Joseph, citoyen qui a été arrêté au Cap, qui a parti dans Biden. Et vous comprenez, vous avez dit que nous avons bien, qui a été arrêté pour Dédé, etc. Malheureusement, la police va venir découvrir après qu'il n'y a pas Dédé. Donc, genre d'arrestation, genre de comportement, ça comme devant ce nous dénoncer. Même si nous parlons avec votre autorité dans la police, nous avons dit qu'il y a une enquête. Oui, il y a une enquête, mais écoutez, il n'y a pas de flagrance, il n'y a rien. Si la police SDPJ nous dit que son erreur, maintenant pour qu'ils soient obligés que les gens nous fait souffrir, leur qu'on ait autorisation de Biden, c'est 10 jours, et là, 60 jours, pour le finir. Et tout ça, c'est pour nous dénoncer le comportement de la police, dénoncer le comportement policier qui, malgré l'effort qu'a fait dans l'état majeur, qu'a violé dans le jour, nous dénoncer et on dit. Le fait que arrêter moun interroger le public passer dans la télévision et puis ça après on vient dire que c'est autre fait parce que là au final moun nan au final la vie moun nan au final tout ça moun nan te gagne comme de moralité de valeur morale donc nous obligé mandé policiers à la appel au calme parce que journaliste policier ou bien citoyen pas ennemi yo nous ca comprendre que frustré énervé à travail etc. Donc nous ca comprendre situation difficile. C'est vrai, c'est compliqué pour tout le monde. Il n'est pas compliqué pour un seul monde. Il est compliqué pour tout le peuple. Parce que la police, c'est un peuple à ressortir. La police, c'est une masse à ressortir. Donc, il faut même tout faire comporter. En gens, il faut comporter. En façon par rapport à d'autres justiciables, à d'autres mondes qui ne peuvent pas des âmes. Donc, encore une fois, nous-mêmes, comme avocats défendre le monde, nous pensons que il est extrêmement important par rapport à la situation, par rapport à la crise, pour nous tous mettre ensemble. Pour nous, c'est une retirer pays dans salle là. Bah là compliqué c'est vrai, il y a grand goût, il y a misère, pas rien l'hôpital, pas rien de l'eau, pas rien manger, prison crase etc. Mon a souffri, petit machin, chou moto, entrepreneur, mon qui dans gros, business, mon petit business, chien, machin sur, machin pas tête qu'on a souffri et tout machin yo. Donc nous même comme avocat cap bataille pour yo, cap parler pour yo, cap défendre yo, nous dit mes amis le temps pour nous faire effort pour nous retirer pays à mettre stabilité. Leur instabilité a bien travail. Leur instabilité l'école a ouvert. Leur instabilité l'hôpital a fonctionné. Leur instabilité banque a fonctionné. Et tout petit peuple a cassé librement. Donc nous pas arrêter dans sanier là depuis un mois bien deux mois. On peur totale, on phobie. Nous vivons avec la peur au ventre et malheureusement beaucoup de solutions absentes. Est-ce que c'est capable de nous pas connaître? Mais
Que nous mettons ensemble pour nous retirer le pays dans la salle de Maras. Merci. Merci beaucoup.